Tu vas te marier d'ici 2 heures. Quoi? Oh mais quelle bégère celle-là! Vous pouvez commencer à nous marier, monsieur. C'est ici le mariage. Voilà, c'est trop cool. Je suis bloqué ici. Salut! Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Pour me débarrasser de ma sœur, j'ai décidé de lui trouver un mari et de faire le mariage le plus rapidement possible. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Bon allez, on va aller voir le clash qu'Esteban a fait sur moi. Esteban dédicace à Weshden. Esteban le best. Lily Rose la pas best. Lily Rose le cas. Ah! C'est bon, je t'ai retrouvé Lily Rose. Hein, tu voulais t'enfuir, tu voulais plus me voir. Je te préviens juste d'un truc. Tu vas te marier d'ici 2 heures. Quoi? Me marier dans 2 heures? Je t'ai trouvé un mari, trop bien, tu vas être trop heureuse et voilà, même si t'as 10 ans, c'est pas grave, allez. Non mais t'es fou, je vais pas me marier, surtout dans 2 heures, je connais même pas la personne. T'es vraiment fou toi, hein. Ciao, je te laisse avec lui, il arrive tout de suite. Mais qu'est-ce que je vais faire? Cette personne va arriver, je le connais même pas. Mais pourquoi il a cette idée folle? Lily Rose, Lily Rose, c'est toi? Mais c'est qui ce fou qui débarque là? J'ai mal. Lily Rose, on doit se marier, t'es où? C'est bon, je peux reprendre ma voix normale. Lily Rose, t'es où? Oh, arrête, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Bon, il faut que je trouve Lily Rose. Sinon, je vais pas pouvoir me marier avec elle. Elle est tellement jolie, elle ressemble à un bonbon. Non mais c'est pas possible, ça va pas être lui mon mari quand même. Mais il est moche. Lily Rose, t'es peut-être là. Oh non, c'est les toilettes, c'est pour faire popo. Popo. Les toilettes sont très confortables. Vous sentez ce bon air de la nature? On n'en fait pas des ici des meilleurs depuis très longtemps. Eh oh, viens ici toi, viens ici. Bonjour, je suis Lucien la paillotte. Je suis Lucien la paillotte, je suis votre futur mari. Allez, on va préparer le mariage. J'ai très hâte. Non mais sérieux, c'est qui encore ce Lucien la paillotte? En plus, il fait le bazar chez moi. D'où il sort celui-là? Alors, qu'est-ce que je vais trouver? Oh, une couronne pour la mariée, vraiment. Une robe, un voile comme ça. Mais ça va être trop cool, le mariage va être splendide, extraordinaire. J'ai trop hâte. Mais c'est hors de question, je vais certainement pas mettre ça. C'est moche en plus. Tiens Lily Rose, c'est pour toi. Tiens, allez hop, mets ça, tu vas être très belle. Je vais certainement pas me marier avec toi. T'es une tête de poulpe pourrie. Je vais essayer pour te faire plaisir, mais après tu bouges de chez moi. Tu es hors de ma vision. Oh, je vais devoir mettre ce truc moche là. Je sais pas où il a trouvé. Je suis sûre qu'il a acheté dans une poubelle. Je suis trop stressée, je vais bientôt me marier enfin. J'ai même tout prévu. J'ai fait un bijou de mariage. Oh, ça va être trop beau. Elle va le porter comme une bague ou sur son nez comme ça. Oh là là, c'est horrible. Bon, le seul truc qui est assez beau, c'est cette couronne. Bon, je l'ai mis à l'envers. Alors, waouh, je crois que je vais mettre que ça pour le mariage. T'es prête? T'es prête? T'es prête, t'es prête, t'es prête, t'es prête, t'es prête, t'es prête. Oh, cette robe, vraiment. Oh là là, c'est tellement horrible. Bon, on va essayer avec la couronne. Prête. J'ai trop hâte, la robe est tellement belle. Bon, je l'ai trouvée dans la poubelle, mais ça, faut pas lui dire. Oh, mais quelle bégère celle-là. Même dans une robe moche, je suis tellement magnifique. C'est bon, me voilà. Pas besoin de taper à la vitre pendant 107 ans. T'es pas patient toi, hein? Ah, t'es là. Oh, désolé. Oh, t'es tellement belle. Désolé. J'ai pas fait exprès. Bon, allez, on va faire ce mariage et après tu bouges d'ici. Comme ça va faire plaisir à mon frère et à toi aussi, même si je m'en fiche un peu de te faire plaisir. Mais bon, allez, on y va. Mais attends, avant de commencer, j'ai quelque chose à t'offrir de magnifique. Regarde-moi ça. Enfin, non, je te réserve la surprise pour le mariage. C'est quand on va se marier, je vais te donner ça et tout. Allez, donne-moi ça et va par là, va organiser. Moi, je vais dans le salon me reposer avant le mariage. Bon, j'ai une idée. Je vais remplacer le bijou par une grosse crotte. Bon, le bijou, on va le mettre ici. Et on va mettre la crotte dans la boîte. Comme ça, on va pas pouvoir se marier. Il devra partir.
partir et il aura la honte de sa vie. Bon bah je pense que c'est bon, hein. J'ai rien organisé, j'ai plus que le maire du village à appeler, comme ça il va nous marier. Il va dire, est-ce que vous voulez prendre pour époux Jean-Luc Lapayotte? Oui. Allez, tout est prêt, il y rentre. Waouh, regardez-moi ça. Bon allez, je vais faire semblant que j'ai fini ma petite sieste. Bon, je crois qu'il a fini parce qu'il va vite lui, hein. Ah, Lily Rose est là. Oui, c'est bon, vous pouvez commencer à nous marier, monsieur. C'est ici le mariage ou quoi? Ouais, moi c'est le maire de la ville. Ici je fais des freestyles et je mange des frites. Ici je mange des McDo. Ici je mange des quicks. Ici je freestyle. Et toi tu te kicks, ouais. Oui, oui, oui. Oui, on est ici pour marier. Monsieur... Oui, moi, je m'appelle Monsieur Payotte. Hé, hey, madame, ouais. Oui. Et vous? Et moi, je m'appelle Lily Rose Kinder. Oh, j'adore. Vous pouvez... Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord, madame? Et moi aussi. Vous pouvez vous donner les bijoux? Mon bijou. Mon bijou. Mon bijou, mon bijou. Mon bijou, mon bijou. Oh les sous-sous, sous-sous mouillés, j'aime les sous-sous. Oh les sous-sous, sous-sous mouillés. Alors vas-y, donne-moi le... Oui. Je vais te donner le bijou que je t'ai offert. Vas-y. Mais c'est quoi ça? Mais voilà, c'est trop cool, regarde le bijou. C'est quoi ça? Pourquoi il y a ça? Oh mais c'est quoi ce truc? T'es sérieux? Une crotte? Mais ça se fait trop pas. Mais c'est pas moi, je te jure, c'est pas... Oh, la crotte, oh la crotte, bouge la crotte, oh. Mais t'es sérieux? C'est vous monsieur le maire? Vous pouvez partir. Ouh, c'est bon. Oh, je suis tranquille. Ah, oh, j'espère que je l'ai bien fait là. Ah, oh, comme ça Lily Rose sera mariée, elle m'embêtera plus, elle aura quelqu'un à qui parler et j'aurai plus à subir son comportement. Bon bah maintenant ma Lily Rose, on s'est mariés, du coup on fait quoi? Désolée pour la bague, hein, je sais pas ce qui s'est passé, désolée encore. Ouais t'inquiète pas, je vais t'emmener dans un super endroit, tu vas voir, tu vas adorer. Allez suis-moi, allez rentre t'inquiète pas. J'y vais, c'est là? Oui c'est là. Oh c'est magnifique, j'adore. Allez assieds-toi là entre les vélos, tu vas voir, il y a une énorme surprise. Ah c'est quoi la surprise là? Je sais pas, c'est un peu bizarre, on dirait un peu un truc abandonné. Je suis pas fan. Je sais que t'es fan de Weshden, mais là ça ressemble pas à Weshden. Bon allez tiens, prends ça, mets-les et ferme les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon j'espère que c'est pas une bêtise hein, comme la crotte. Il y a beaucoup de mauvaises surprises aujourd'hui, mais bon la meilleure surprise c'est toi quand même. Ah ouais, allez, t'inquiète pas, je reviens dans 2 minutes pour la surprise. Haha, je t'ai piégé. Je suis bloqué ici. Eh oh, y a quelqu'un? Elle voulait pas se marier avec moi, je suis bloqué. Bon allez, je l'ai enfermé, maintenant je vais aller faire croire à tout le monde qu'il a disparu. On va même faire un enterrement pour lui, même si bon... Il est pas mort, hein, mais on va quand même faire un enterrement. Je vais pourrir ici tout seul. Oh, Esteban, il est arrivé un truc tellement triste à mon mari. Il a disparu. Je crois qu'on va faire un enterrement pour son hommage. Je sais vraiment pas où il est, oh là là. Comment ça disparu? Mince, cousin Albert. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? T'es sûr? C'est où la dernière fois que tu l'as vu comme ça? Parce qu'on va pas faire un enterrement comme ça. Sur un coup de tête, il est peut-être pas totalement disparu. T'es sûr que t'as aucune nouvelle de lui? Non, je suis sûre. On devrait vraiment faire un enterrement. C'est... Bon bah, allons-y, hein. Il nous reste plus que ça à faire. Allez, on y va. Elle a pas l'air si triste que ça, hein. C'est bizarre. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous rendons un hommage. Une guêpe. À mon cousin, au mari de Lily Rose. Au mari de Lily Rose, c'est très triste. Oui, bon, allez, on fait une minute de silence en repensant à lui à tous les bons moments de cette journée. Ouais, c'est bon. Attends, je... Vas-y, pleure là. Pleure. Mais... Bon bah c'est bon, on peut se lever. Ouais. En fait on n'est pas triste. Bah non. Ah ouais bah. Bon allez, on part. Bonne heure, au revoir.